Coucou, je vous montre comment je fais ma sauce Nandi. Là, j'ai pris la viande de bœuf dans une cocotte. Je vais rajouter de l'huile et je vais rajouter mes différents morceaux de viande. On va laisser bien frire. Et c'est quand la viande est bien dorée, je vais rajouter du concentré de tomate. On va laisser frire. Là, je rajoute mon bouillon d'assaisonnement qui viendra remplacer le cube d'assaisonnement. On mélange comme ça et je vais rajouter une marinade verte, de la tomate hachée, oignon haché, chou haché, du sel, soumara effet mon goût, feuilles de laurier. On va bien mélanger et je vais rajouter du poivre blanc. Je continue mon mélange, je vais couvrir, laisser tout ça revenir environ 10 à 15 minutes et je vais rajouter une grande quantité d'eau qui va permettre aux viandes de bien cuire. C'est la sauce non dino, ne badinez pas avec la quantité d'eau. Quand ça a bien bouilli, la viande a mis cuisson, j'ai rajouté des choux, des carottes, pommes de terre, aubergines, kombu. J'ai pas coupé les extrémités, j'ai juste bien nettoyé. On va couvrir, laisser tout cela faire pita. Je rajoute des aubergines violettes, piment, un peu de macaroni. Voilà, vous pouvez rajouter la peau de poisson, peau de crevette, ça va dépendre de vous. Là, je pense que ma sauce, là, elle est bien cuite. Merci ça, oh, bye bye. Versez, bébé, si vous m'attendez, au revoir.